Sur l'esplanade de la Grande Arche, à la Défense, les affaires reprennent lentement. Avant le confinement, 180 000 salariés arpentaient chaque jour le quartier d'affaires. Seuls 10 à 15% d'entre eux devraient regagner leur bureau au mois de mai. En juin, on serait autour de 25% et en septembre, environ 70%. Donc ça, ce sont des estimations qui sont faites aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. Donc il faut évidemment prendre ces chiffres avec beaucoup de prudence. Depuis le 17 mars, le quartier d'affaires est déserté. Plusieurs salariés ont uniquement fait le déplacement pour récupérer du matériel afin de poursuivre leur activité en télétravail. Un choix de leur entreprise qui les rassure. C'est la bonne décision à prendre d'essayer de reprendre petit à petit jusqu'à ce qu'on ait la certitude que voilà, on a vraiment dépassé cette pandémie. D'autres sont venus pour préparer le retour des salariés. On est obligé de mettre en place plein de choses, des affichages, revoir avec nos collaborateurs Sodexo les mesures de sécurité. Pour éviter la cohue, les entreprises mettent en place des horaires décalés. 87% des salariés de la Défense utilisent d'ordinaire les transports en commun pour rejoindre leur lieu de travail.